Ouais, c'est le meilleur. Bonjour tout le monde, bienvenue à YouTube. Ici Alexandre Lessard qui vous montre une démonstration de son jeu préféré, mon jeu préféré puisque je suis Alex Lessard. Donc, Kid Icarus. Donc, on y va. On fait start. Donc, ce qui est fun avec ce jeu-là, c'est que. Il est simple, puis il est bad, c'est vraiment cool d'être pit. Mais ça veut pas dire qu'il est moins difficile pour autant. Allons-y. Donc, pour faire une histoire courte, Pit est descendu sur Terre, ou je sais pas trop où, là, pour aller vaincre la menace qui était Médusa. Donc, un peu à la mythologie grecque. Donc on ramasse des cœurs, on saute partout. On ramasse des genres de clés ou des marteaux. On sait pas. Donc le but c'est de grimper. Donc allons-y. Ça lag. Mais l'émulateur MSN fonctionne vraiment bien. Donc on y va. C'est vraiment facile de tomber n'importe où. Donc là, faut que j'aille chercher la coupe. Et voilà. Pioulou. Donc l'émulateur MSN, je trouve qu'il est mieux que Rock NES pour le simple fait que les pixels sont mieux définis dans cet émulateur-là comparé à Rock NES qui lui c'est flou. Vraiment, on voit qu'il y a une nette amélioration du produit. Donc c'est vraiment mon jeu préféré. Même si avant que j'aille à mon Nintendo, j'avais vu des vieux jouer à ça. Puis je savais pas c'était quoi. À l'époque, on se questionnait. Donc je me questionnais c'était quoi le jeu, mais j'avais vu la cassette, donc je savais c'était quoi. Puis pas longtemps après, ben, ils ont sorti le Super Nintendo. Puis j'ai comme pas oublié ce jeu-là, mais j'étais moins intéressé à ce moment-là. Donc le jeu c'est pas mal comme ça, on se promène, on avance. Right. Donc la musique aussi était vraiment bien faite là, pour cette époque. Donc c'est ça, le but c'est juste de grimper, grimper. Bon, qu'est-ce que tu dis, essaye d'acheter de moi? Non, c'est chill. Bon. Qu'est-ce que tu dis? Ok. Donc c'est parti. Eh ben.
Est-ce que je peux t'aider? Non, personne ne peut m'aider. Donc, l'émulateur, c'est MESEN pour. Non! Ok, j'ai failli tomber dans le trou. MESEN pour ordinateur Windows. Sûrement que ça marche aussi sur d'autres plateformes que Windows. Hein. On va s'en tenir à ça. Ok, bang bang. Donc, yeah. Didi. Moi, j'aime bien la petite musique. Didi. Oh non! Donc c'est ça, faut aller battre Méduse. Puis quand on perd une vie, bon, on perd la moitié de ses clés. Puis bref, c'est ça, le jeu est pas mal intéressant, il est amusant. Donc c'était ma démonstration du jeu de Kid Icarus. Ici Alexandre Lessard, je vous dis à la prochaine. N'oubliez pas de vous inscrire à ma chaîne, de partager et de dire vos commentaires dans la section de commentaires. Et aussi. C'est ça. Je vous souhaite une très belle fin de semaine. Au revoir.